peux pas voir si tout marche. Ah, mais j'étais, j'ai laissé là. Putain, y'a rien à. Si, faut que je change. Il faut que je change. Paramètres de diffusion. Non, c'est pas ça. Ah merde, vite. On ramène la vidéo caméra. Tac, en bas, en haut à droite. Ouais, ça va, ça passe. Bon, alors est-ce que ça marche? C'est bon. Allez, salut à tous et à toutes, c'est GGB, nous sommes Mathieu, on se retrouve pour la cinquième partie du SP de Assassin's Creed 2. Je vais pas faire de retour parce que je suis en plein recherche d'énigmes. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai commencé un petit peu à regarder sur internet pour trouver la résolution des énigmes qu'on nous a proposées. Et j'ai trouvé un, donc du coup, on va le faire. C'était base de données, tac, la vérité. Et du coup, c'était celui-là, je crois. Attends, alors est-ce que c'est le bon? Vous voyez ce qui se passe? Pas encore. Tu vois que j'ai pas le bon. Merde, ça a avancé. Alors attendez, est-ce que c'est le bon fichier? Non! Ah, faut que j'avance celui-là. Merde, vas-y. Alors attendez. Parce que, du coup, j'avais trouvé. Ok. Ah, oui. Non, là, c'est trop avancé. Là aussi. Ça va être chiant. Ah, attendez. Parce que celui-là, je l'ai vu, par contre. Je l'ai vu, mais je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus ce qu'il fallait faire. Je me rappelle plus lesquels ont été dit. Alors, oui, c'est les seules façons. C'est les seuls moments où j'utiliserai, bien sûr, Internet pour. Comme astuce, vous pouvez le voir chez mon téléphone. Voilà, donc il faut essayer d'éviter, mais le problème, c'est que je vais pas trouver. Ah, il faut que je me mette en déconnexion. Vite, c'est où déjà? C'est là, il n'y a pas de danger. Voilà. Parce que ça m'a un peu saoulé Discord, je vous le dis. Donc du coup, voilà, donc en attendant, j'en ai un peu de temps avant que ça se mette en marche. Heureusement que j'ai mon téléphone portable qui est là pour ça, parce que franchement, je pense pas que j'y arriverai, parce que là, c'est vraiment très très compliqué. Pour certains trucs, j'aurais pu trouver, mais là, pour d'autres, impossible. Alors, du coup, attends, on va faire pareil que lui. Bon, je parle. Il y a pris qui en premier? Non, là, d'accord, là, il me montre les tout ce qu'il y a, ok. Vidéo qui a été faite il y a 6 ans par Julien Vergne. Merci à toi. Tu peux me montrer directement sur la télévision. Ok, le deuxième. Ensuite, là. Ensuite, en bas. Tac. Et tac. Alors, il fallait trouver, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Alors, attends. Là, par contre, il se repose sur sa puissance. Pas d'aide. Alors, Jean-Michel d'Égypte, Pierre à Jérusalem, Moïse d'Égypte, et puis il y a encore plus de choix. Ok, le troisième déjà, hop. Ensuite, oui. Ensuite, attends, ah, c'est lui. Lui et lui. Framin des dames, le bâton, d'accord. Le bâton. Code trouvé, ok. Ok, donc on avance petit à petit. Et maintenant on va débloquer celui-là. C'était des héros. C'est le prochain. Pour la plupart. Mais la lignée s'est éteinte. Les plus vertueux, dont les oubliettes de l'histoire. Et le mal finit toujours par triompher. Ah, j'ai essayé de le trouver tout seul. J'attends que ça se mette en marche. Voilà. Ah oui, oh finesse, non, celui-là, je l'ai pas trouvé. Je vais pas trouver tout seul parce que j'avais tenté déjà de le faire hier et j'ai rien compris. Donc, du coup, ouais, je me rappelle, c'est galère. Je déteste ce genre de truc en plus.
Ça fait bouger les deux en même temps, c'est compré, c'est compliqué. Du coup, je pense faire. Voilà, tu vois, ça fait bouger ça, je comprends rien. Alors, attends. C'est long, par contre, je suis désolé. Je suis désolé, ça va être un peu long des fois, un peu chiant. Merci Loulou, si je pouvais essayer d'animer un peu, parce que là, ça va être trop compliqué, je pense. Ça va être chiant et compliqué à la fois. Alors attends, lui déjà, ok, il est en bas, il est là. On dirait que c'est ça, si je vois bien, c'est ça. Ensuite, ok, c'est la suite logique. Et après, ça serait normal. Attends, j'essaie de voir, non. Ça. Putain, voilà, c'est là que ça déconne. Ça y est, j'ai compris. Là, il a fait tourner la main il va la passer, ok. Il a fait tourner ça. Voilà, la main il a fait passer là. Et du coup, la main il a placé là-bas. Et normalement, du coup, ça fait que ça. Chinaise, mais il fallait le trouver celui-là. Il y en a un derrière. Non, c'est fini. Bon, c'est fini. Je vais laisser la page là, comme ça. J'espère que le live va bien fonctionner. Non, il y en a un autre. Non, c'est la blague. C'est la blague. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Oh, punaise. Oh, c'est la bonne blague, ça. Là là, je vous jure, mais c'est n'importe quoi. Et Satan dit à Ken, jure-moi par ta grosse, et si tu le dis, tu mourras. Alors, je vois déjà que dalle. Ok. Merde, il a passé comment? Ok, j'ai l'impression que c'est l'enfant qui est là. Ok, j'ai dû passer ça. Non, je vois. Mes frères, je vois que dalle. Attends, mais je vois rien. Ah, punaise. Ah, si, comme ça. Putain, mais il faut le voir, frère. Ouais, c'est ça. Ensuite. Ok. Donc, ça, il a pas touché, mais ça, il a placé là. Là, exactement. Voilà, ensuite. Oh, punaise. 2. 3, 4, 4 fois. 1, 2, 3, 4 fois, c'est bon. Alors attends, après il avait tourné un là. Ensuite il revient au centre. Ok. Non, merde! Ah. Non, il y en a encore. Et toutes ces choses se firent en secret. C'est pas possible, il y en a combien? Attends, il doit bouger la tête. Attends. La tête, elle est là. Ok, après.
Voilà. Ensuite, il... Non, merde. Mais non, mais... Et revenez là. Ok. Et c'est en bas. Voilà. Je sais pas attendu. Et Kane dit en vérité, je suis Mahan, le maître de ce grand secret. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais c'est pas possible. Au secours. Sortez-moi de là. Sortez-moi de cette énigme. Il y en a 20 comme ça. J'en peux plus déjà. J'en suis à la cinquième. Je suis au bout de ma vie. Non. Il a tourné celui-là, je crois. Putain, je vois rien. Ouais. Attends. Et les têtes? La tête. Ah, mais c'est ça. Putain, je vous prenais pour une tête, en fait, c'est un bras. Ok. C'est par là. C'est ça. Ensuite, il est remonté là. Il a tourné comme ça. Il est passé là, donc ça fait bouger les deux. Deux. Un. Deux. Ouais, ça fait quelque chose. Ensuite, et on monte là. Et alors là, ce serait une suite logique. Ouais, ça y est, j'ai vu. Ouais, et après, normalement, la suite logique. Ça serait là. Oh oui, je suis trop fort pour ça. C'est pourquoi Kane fut appelé Maître Mahan et se glorifia de sa méchanceté. La voici. La Mahan. Et on a fait quoi? Ah, ça y est. Alors, attends, du coup, je vais mettre à la prochaine énigme. Directement. Ah mon dieu, je vous jure, mais qu'est-ce qu'on passe? Après, je pourrais faire le résumé. Et tu voudras. Ça y est, code trouvé, c'est bon. Regarde, j'attends en même temps que ça se mette soit directement parce que ça montre le prochain lieu. En fait, là-bas, c'est où j'étais, je pense. Tu vois, j'ai pas vu. C'est compliqué, je comprends pas trop. Quand même. Bon, alors, du coup, on a résolu ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Petit retour sur l'épisode précédent, quand même. Du coup, on est allé dans la villa Montegré Johnny voir notre oncle Mario. Qui nous a appris tous les enseignements de ce qu'on devait savoir sur les assassins. En fait, il nous a appris le credo, la façon de nous battre, et puis voilà. Mais il pensait qu'en faisant ça, il pensait qu'on allait rester. Mais la base, Ezio voulait partir avec sa famille, partir vivre loin d'ici. Et au moment où il partait, il a appris que la famille de Pazzi n'arrêtait pas d'attaquer donc notre famille depuis le début. Véry de Pazzi n'arrêtait pas d'attaquer sa famille pour avoir la tête de Ezio. Donc du coup, au lieu de partir, il a décidé de retrouver son oncle. Donc on est en Toscane à 110 Milano. Et du coup, on va prendre le prochain point d'observation quand même. Non, ça c'est l'extérieur il me semble. Donc on va faire d'abord l'intérieur. On va faire d'abord l'intérieur, après l'extérieur. Et du coup, pour retrouver son oncle et l'aider dans la démarche qu'il est en train de faire. Voilà. Donc du coup, ben, ce qu'on fait, ben, c'est on fait les points d'observation à l'intérieur d'abord, et ensuite on le fera sur l'extérieur. Les
Les énigmes, c'est des énigmes à résoudre. C'est pour ça que j'ai dit que des fois, et j'en suis vraiment désolé, ça va être des parties qui vont être inintéressantes, certainement. Mais je trouve que si j'ai la chance de pouvoir le faire à 100% hors les plumes de pas tout ça, parce que franchement, là, je crois pas la motivation pour le faire. Mais j'en ai marre, j'ai pas sauté. C'est pas grave. Une personne. Voilà. Non, ouais, les plumes, j'aurais pas le courage de tout faire. Les. Les énigmes encore, ça passe. J'aurais un peu plus le courage de chercher et de trouver, parce que je sais que je pourrais trouver au bout d'un moment, c'est pas un problème. Ça posera pas de soucis. Mais tout ce qui est plumes et tout ça, non, j'ai pas le courage pour le faire. Je le dis, j'aurais pas le courage ni la patience. Il faut avoir une patience d'ange pour pouvoir tout faire. Là, non. Non, j'ai une patience, mais elle a des limites pour ma part. Merde, je peux passer par là. Oh, génial, je peux pas passer par là, je suis coincé. Et par là. Mais oui, mais bien sûr qu'on peut passer par là. Attends. Ah, c'est le début de la galère, ça commence à monter de plus en plus haut maintenant. Là il va falloir faire les tours, le tour des tours pour pouvoir grimper. Ah, attends. Hop. Ah bien sûr, si je les trouve sur place, je vais les prendre les plus, mais je vais pas m'amuser à aller les chercher moi-même. C'est pas affiché sur la carte et j'aurais pas le courage. Déjà que le jeu en lui-même il est déjà très long, c'est en plus je me force à faire quand même les énigmes, chose que je n'avais pas fait dans mes parties d'avant, dans mes parties moi tout seul. Je peux pas grimper là. Je peux pas grimper, ok. Non, bon, c'est pas la peine. On va insister. Ah, je peux pas passer par là. Ah, je suis coincé, je suis bloqué. Je suis bloqué. Pourquoi je peux pas avancer? Putain, c'est là. Il veut pas. Fais la grève. Ah, ça y est. Il me fait pas en plus de con. Bon. Donc on est parti jusqu'à la première partie jusqu'à 23h30 et la seconde partie jusqu'à minuit et demi, vous le savez. Maintenant je peux faire traîner un peu plus longtemps, ça ne me dérangera pas plus, vu que je ne travaille pas, mais bon. Il y a une page de codex. On va faire sûr. C'est là-bas. Ah oui, je commence à être de plus en plus connu. Le voilà. Et voilà, c'est bon, toi t'es mort. On va faire silence. Il y a une page de codex juste ici. Très important, je rappelle que le codex est très très important. Déjà pour mes équipements, mais aussi pour l'histoire de fait du coup, tout simplement, parce que je crois qu'il faut toutes les pages de codex pour pouvoir finir le jeu. Donc dans tous les cas, c'est pas une quête secondaire de type normal, on va dire ça, parce que normalement les quêtes secondaires ça sert à rien ce que je viens de faire. Normalement les quêtes secondaires sont faites juste pour augmenter la durée de vie, mais c'est pas ce qui va nous permettre de finir. Ah, la tour, ok. Donc là, il y a un truc. Maintenant, non, regarde pas, là-bas. Non, est-ce que je l'ai pas fait cette tour déjà? Je sais plus. Mais j'en ai marre, ça marche pas quand je veux sauter. Alors attends, on va essayer de grimper. Ce soir.
Dès que c'est sur le côté de la tour. Je vois pas. C'est bizarre parce que. Je crois pas que je l'ai fait celle-là. Attends. Base de données. Lieu. Ah merde, c'est la Toscane. Chercher dans Florence, n'importe quoi. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. On le voit ce que j'ai fait, ils sont là. La tour de San Luigi, je l'ai fait. J'ai fait Santa Maria Funtà, j'ai fait la Villa Auditore. Mais je n'ai pas fait celle-là. Donc, ok. Voilà. Des problèmes à rédiger pour défendre la ville du Moyen-Âge. La Torre del Diavolo était ceinte d'une passerelle à son sommet, dont les planches étaient supportées par les pointes en bois. Son nom, qui signifie la tour du diable, lui aurait été attribué après qu'elle ait été frappée par la foudre, mais une autre source fournit une explication différente. De retour au voyage, une scène aurait retrouvé légèrement plus haute qu'à ce moment, ce n'est pas. D'accord. Donc je l'ai pas fait, donc il faudra, faut que je retrouve le signe qui doit être quelque part par là. Il est là. Parfait. Prochaine énigme alors. Alors attends, c'est celle-là. Non, attends, c'est quoi? Arraché de l'arbre gardé par le serpent, il a accompli des prodiges, réduit en lambeaux, il a traversé les visages avant d'attraper de rouge. Constituer la chronologie. Attends, on va essayer de voir. Joseph, Égypte, vers 1700 avant Jésus-Christ. Jason, Grèce préhistoire. Jésus-Christ, vers 30. Henri V, merde, Henri VIII, pardon, Angleterre. David et Goliath, 970 avant Jésus-Christ. Spoliation du Christ, et Jérusalem vers 30. Je comprends pas toujours. C'est le sens, ça. Prométhée, Grèce. Carthage. Saint-François de Borgia, Espagne. Ma foi, je vois pas. Là, j'ai un peu du mal à comprendre. Ouais, ben là, j'ai un peu de mal à comprendre, donc je vais regarder parce que il y en a certains. Le problème, c'est que quand tu connais pas l'histoire, c'est un peu difficile à trouver. Pour ma part, je trouve c'est très compliqué. Ouais, comme ça. Sûr, quand je veux que ça tombe pas. Merci. Est-ce que ça. Est-ce, oui, ça bouge. Je vois la souris bouger, c'est bon. J'ai peur. Peut-être que c'est bien le mec qui est en train de fuir en même temps qu'il fait la vidéo. Faut pas que je fasse quoi là? Parce que je rappelle, j'ai pas le son. Après, ce que j'ai pu entendre, c'était pas intéressant. Ok, donc lui. Ensuite. C'est une histoire que tu te trompes, mec. Hein. Tu t'es pas trompé les premières fois. Allez. Ok, le deuxième, troisième. Et le dernier. Et le premier en bas. Putain, il faut trouver ça, j'aurais jamais trouvé. Sport. Ok. Alors attends, ça je peux trouver par contre. J'ai vu, mais c'est pas grave. Vraiment, prendre les 36 sueurs. C'est bon, on a trouvé le code. Alors, c'est quoi fichier mérité? Waouh! On comprend quelque chose, non? C'est le 7ème. 7 sur 20, quand même. On n'a pas fait la moitié encore. Je vois tout le temps qui reste, ça fait peur.
Ah, voilà. C'est bon. Attends, je remets juste au bon endroit pour la suite. Ah ok, d'accord, en fait il montre, d'accord, c'est le prochain fichier. Ok. Bon, du coup, on va pouvoir continuer. Un petit peu avancé. Je suis désolé, mais ça va être très long, mais voilà, je tiens à le faire. Et je crois que c'est le seul épisode, enfin, de ma connaissance, où il y a ce genre d'énigme à faire dans le jeu. Comme j'ai dit, je crois que même le rock, je l'ai même pas fait. Et bien sûr, tous les autres sur la PS3, je l'ai jamais fait. Voilà, que ça le tienne. Bon, on a découvert déjà toute la ville, donc c'est très bien. On va aller faire pour l'instant la course qui est juste à côté. Oh, un coffre. Là-bas. Chut, fais dodo. Ramasser quoi? Ramasser le corps? Mais putain. C'est qui m'a foutu? Mais je vais pas ramasser son arme! Ah, quoique si, c'est intéressant. Évite de m'importuner! Va-t'en! Alors attends, déjà, on va. Il faut à tout prix l'arrêter! C'est lui là, voilà. La course, on va faire la course. La course est au-dessus. Allez, c'est parti. Je peux battre n'importe qui dans une course. Je me demande si vous êtes aussi rapide qu'on le dit. Et toi, tu sais faire bouger la caméra que tu lis? Il paraît que tu es rapide, assassin. Tu crois que tu pourrais battre mon meilleur temps? Merde, je sais pas sauter. Ça commence à m'énerver. Les erreurs bêtes que je fais, mais c'est horrible. Attends, je finis la course et après je t'attends. C'est là. Okay. 1 sur 18, ça fait peur. Ah, punaise, j'ai pas fait le temps. J'ai pas... Allez, l'échelle. C'est mort. D'erreur. Ah, j'ai trop fait d'erreur. Ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Bon, je vais me taper un temps de chargement après. C'est bon. C'est le seul regret que j'ai à faire à la saga d'Assassin's Creed au tout début de sa création. Mais après, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. C'est bon.
Allez, ça commence. Ah putain. J'ai perdu. Je pense que j'ai... Marc. J'ai perdu. Je vais en faire un 10 en une dizaine de minutes, c'est bon. Un 10 en une minute, c'est bon. J'en ai fait la moitié, je suis à moitié du temps. Non! Ah, j'ai perdu. Oh, c'est bon, j'ai perdu. Pas recommencer là. Non, mais j'étais bien parti. Punaise. Bon, on va prendre le coffre. Ah, j'étais bien parti. Ah bah, c'est mort. Viens, mon ami, viens. On veut juste qu'il te dira. C'est mort. Et à 5-15 secondes, j'aurais pu remonter, mais... Ça, plus ça, il ne peut pas. Ah, c'est mort. Putain, j'étais bien parti. Ah, ça fait rager. Ça fait rager, j'étais bien parti. Et non, là j'ai trop. Ouais. Ah, c'est dommage. J'étais bien parti. Pourtant. Trop pour activer la vie à 3 heures, ça s'en fout. Ah non, mais ça me fait rager, putain, j'étais bien en plus. Yes, papa, c'est par là. Allez, monte. Je fais n'importe quoi. Allez, j'ai rattrapé le temps. Allez, mais monte. Ah, j'ai perdu le temps. J'ai perdu ici. Allez, c'est quoi, j'ai perdu. Putain, en plus, ils sont là. J'avais réussi à récupérer mon repas. Ah, attrape, putain. J'avais réussi à attraper mon retard. Ah, punaise. J'y arrive pas, hein. Ils sont durs, quoi. Ces cours sont très très durs. Mais alors, là, j'ai... Lui, j'y arrive pas. Faut que j'arrive à le faire, mais... C'est me passer dans la bonne direction que je reprenais. Ah, comment perdre du temps maintenant.
Allez, monte. Mais je me concentre. Je sais pas où je vais. Je fais n'importe quoi. Allez, je vais là. Voilà. Il remonte. Trois à faire. Deux. J'ai réussi. Ah, c'est pas là. C'est là. J'en peux plus. Ah non, mais c'est bon. C'était costaud quand même. J'ai deux pages de codex. J'ai un médecin. Ah, ok. Ils sont courriers. Allez, c'est parti. C'était costaud, hein. Oh. Et t'es quoi toute cette course à faire? Il est là! Allez-y! Vite, j'ai loupé mon coup! C'est pas grave. Continue! Voilà. Tu vas constater que notre hospitalité n'a rien de surfait. C'est quoi là? Oh, il y a un truc! N'approchez pas! Ok. Ceci doit être livré dans les plus brefs délais. Si vous êtes rapide, vous ne regretterez pas. Ok. On va lire un peu. Cher Vincente, les preuves dont je dispose confirment nos pires craintes. Votre fille va épouser un imposteur, Léoné. Léoné dit que le guelfe, alors qu'il est en fait florentin. Tout semble indiquer que ces escrocs tentent d'infiltrer le gouvernement et nous priver d'un peu, du peu d'indépendance qu'il nous reste. Je ne doute pas qu'après avoir lu ceci, vous serez aussi exaspéré que moi. Je suggère donc de jeter du haut de la tour. Grâce à cela, montrera à Florence que nous sommes bien terminés. Bien à vous PS. Une fois que nous serons débarrassés de ce gêneur, nous pourrons penser à l'avenir. Comme vous le savez, mon fils est en âge de se marier. Il pourrait faire un très bon époux à votre. Il pourrait faire un bon époux pour Chi. Je te donne notre légende, c'est tac 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 tac. Je suis loin? Est-ce que je suis loin? Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'était la carte. Oh putain. Je vais voir ça, je suis à côté. Mais je cours juste et j'ai des avis de recherche sur ta fille. Ah, fait que je passe par là. Oui, je répète. D'accord. C'est bon?
suis anonyme maintenant. Ok, on va enlever ça déjà. Tac. Allez, interagir. Je vais prendre la page de codex qu'il me faut. Vous vous trompez de cible, signore. Et de l'autre côté. Par ta seule faute. Si je me ah, punaise, je peux pas passer. Pour vous. Des centaines, j'en ai tué des centaines. C'est bien. Go. Oula, attends. Hop, voilà, classe. Alors, qui veut venir? Ah merde, lui je peux pas, d'accord. Il faut que je les attaque eux. Tu veux bien enlever les doigts de ton nez, bambine? Vous savez quoi faire, restez calme. Il doit pas s'enfuir. Ah punaise. Ah si ça vient au fur et à mesure. Ça vient au fur et à mesure. Aïe. Voilà. Ça va être plus long. Ils ont plus d'armure. Mais... Voilà. Il va être plus long. Il va être plus long, ils ont plus de barres de vie, plus d'armure. Voilà, vous voyez déjà, les défenses ont changé. Les contres ont changé, leurs défenses aussi. Attends. Bon, je vais attaquer un petit peu. Ah, lui, comment s'est déjà fait dire? Je vais la voir. Ça y est, je l'ai eu. Voilà, lui aussi. Hop là, allez. Récupère un peu, récupère ta Jocolex. Ouais. Fille. Pauvre fou. Faisons regarder un truc. Est-ce qu'on peut acheter déjà des quelque chose de chez le tailleur? Attends, j'ai combien? J'ai 3000. Ouh, cool. Alors, tac, tac, tac. Donne vos vêtements. Ouais, on va faire ça. Merci infiniment. À très bientôt. Je vous prochain magasin. C'est où après? Ok, après j'en ai un. Là, je vais aller quand même juste au marchand. C'est juste là. Je vais voir ce qu'ils ont réparé déjà. On va tout réparer. Voilà, ensuite, en armure, ils ont quoi? 3000. Attends. Ouais, je peux essayer déjà. D'accord. Pas assez d'argent. Ok, on va prendre déjà ça. Voilà, ensuite en arme. Ah, j'ai pas assez d'argent. Après, j'ai pas assez d'argent pour le reste. On va essayer de passer un peu inaperçu. Ah.
interagir. Votre attention, votre attention. Citoyens, soyez vigilants. Bon, je sais pas, j'ai plus beaucoup d'argent. J'ai tout piqué. On m'a pris mon argent. Ça s'arrête bien, il y a une chose que je fasse ça. Lui, ça y est, je l'ai fait déjà. J'ai perdu la tête. Merde. Vous avez quoi me rembourser au moins? Crois que la vie est appartient. Puissiez-vous voler en enfer? Dis, je ne voudrais pas. Et quoi, là? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Hé, soldat. Si tu veux un peu de souffrance, attrape-toi un coup de feu. Si vous avez besoin d'aide, appelez vos mères au secours. J'ai rien demandé, là, pour le coup. J'ai rien fait. C'est pas moi. J'ai toujours un souci avec j'arrive pas. Ah mais non, faut l'avoir lui. Ah, c'est pas la double lame encore. Bon, voilà, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Absolument super. Ça parce que je voulais au coffre quand même, c'est un truc de fou. Je voulais le coffre à la base, je voulais pas combattre. Hein. Je voulais avoir le coffre. Du coup. La page de collecte c'est de l'autre côté par contre. On va gagner du temps. Venez mes amis. Eh bien, il est venu. Elle est par là. Y'a rien pour toi ici. Oui. Alors, de quelle partie de... On va obligé d'attaquer. C'est bon, ne me laissez pas passer. Quand même les combats ils sont bien foutus. Une fois qu'on les a bien maîtrisés, c'est maîtrisé facilement. Si tu connais, si t'as bien maîtrisé les combats du premier opus, c'est les mêmes dans cette œuvre. Dans celui-là, allez, il n'y a pas, il y a quasiment pas ou très peu de changements, donc c'est très facile. Allez, ça c'est passé. Page du codex. Allez, ça c'est fait. Du coup, maintenant on va aller à l'extérieur de la ville et on va faire les points d'observation qui sont à l'extérieur. Voir si je peux sauter à travers, passer à l'autre côté du mur. Merde, ah, mais je me trompe. Je me suis trompé de touche. Je me suis pris dans Final Fantasy en fait. J'appuie sur carré pour sortir la carte. Et en fait, ça ne sert strictement à rien parce que carré, ça n'affiche pas la carte. Là. Ah, on va faire une semaine. Tout ce que je mets en courant, on va faire. Fait bien le coin un peu. D'ailleurs, plus ça va, plus on est en confinement et moins je cours. Mais plus je prends de poids, je pense. Et quoi que, j'essaie de moins manger. Malgré tout, j'essaie de moins manger. Le soir, je mange. C'est que quand je goûte, je fais un bon goûter. Mais à côté, le soir, j'essaie de moins manger. C'est-à-dire, je mange juste le plat principal, fromage, dessert. Alors quand même, j'aurais pu manger entrée, fromage, plat principal, dessert, enfin bref. J'aurais pu faire trois repas avec le soir. Allez.
Désolé, une grosse fatigue, parce que vous savez que je fais des grosses sessions de gaming en ce moment. Ça fait plus d'une semaine. Je fais pas mal de sessions de gaming. Ah, vache, il reste encore pas mal encore à faire. On va faire celui-là. Attends, fais voir. Il y a un truc, non, il y a pas des trucs affichés plus. Voilà, je fais pas mal de grosses sessions de gaming. Bah, déjà, je fais. On doit faire une heure l'après-midi avec notre ami Lolo. On fait une heure de live et après, suivant le jeu. Normalement, là, on s'est mis en tête de finir Diablo 3 en mode hard ou extrême. Je crois que c'est hard parce que l'extrême, c'est un personnage meilleur, t'es foutu. Là, aujourd'hui, on n'a pas pu, donc on s'est lancé dans Dauntless. Dauntless, c'était un jeu que je ne connaissais pas. Que j'avais téléchargé par hasard et que j'avais fait l'entraînement et puis après je me suis dit peut-être le reste ça serait sympa de le faire en live pour remplacer un petit peu Final Fantasy quand je pourrais pas y jouer ou un truc comme ça en pensant que c'était la même trempe qu'un MMORPG et en fait non. Epic Games c'est des grosses foirées, je suis désolé je vous le dis mais tel que je pense c'est du ils ont copié-collé à Capcom, c'est du Monster Hunter mais en light quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que du combat, il n'y a pas de phase de recherche, il n'y a pas de phase d'exploration, il n'y a rien. C'est que du combat, que du combat, que du combat. Alors pour l'instant, de toute façon, on n'est qu'au début. On n'a fait qu'on est qu'au niveau 5. Hein. Pour l'instant, je crois que c'est niveau 5, niveau 6. Donc c'est vraiment le tout début du jeu. Mais non, c'est pas un jeu que je vais. C'est pas un jeu où on va revenir souvent. Ni un jeu auquel on va vraiment s'attarder dessus. Parce que, sur Final Fantasy 14 par exemple, sur Final Fantasy 14 je sais que par exemple en une heure et demie de live, parce qu'une heure c'est très court, en une heure et demie de live, je sais qu'il va se passer pas mal de choses. Là par exemple en une heure et demie on a fini quand même une quête de guide, on est devenu mage noir, on a fait pas mal de choses quoi. On a fait un donjon, on a juste eu le temps d'en faire un. Que ça, parce qu'après on a enchaîné sur pas mal de choses derrière. Donc voilà, donc du coup après ça passe des choses. Mais là dans Dauntless, on a fait une heure de live. Sur une heure, on a galéré 20 minutes à essayer de se trouver. Pour commencer. Et puis après, pour essayer de comprendre comment le jeu fonctionne. Ah, prochaine ennemi, ok. Enfin, rien que pour essayer de comprendre comment le jeu se passait, on a galéré comme des fous. Ok, prochaine énigme, c'est ici. Déjà là, il y a un peu de coffre. Ok, j'ai pris des sous. Je suppose que j'ai pris tout. C'est dommage que pendant la vision de deck, on ne voit rien. Ah, attends, on va regarder par là. En fait, il faut regarder partout. Mais vraiment, quand je dis partout, c'est partout de chez partout. Ben non, ah, attends, est-ce que le lieu, on peut parler un peu du lieu? Lieu Toscane. Montez les vêtements, tu vois. Fondé en 1313 par Bernardo Lolomé, l'abbaye de Monte Oliveto Maggiore était soumise à la règle bénédictine. Les moines bénédictins constituaient le courant religieux dominant à l'époque. Il se consacrait à la paix, à la prière et au travail. Il vivait au sein de la communauté autonome qui coexistait avec le gouvernement local. La plupart des terres de la région de Sienne dépendaient de l'abbaye sans autonomie, impliquait la gestion de richesses considérables. Par chance, Bernardo Tolomei avait étudié le droit et à sa mort, les activités de l'abbaye étaient particulièrement fructueuses. Ok, j'ai un peu de mal à lire, je suis désolé. Je pense que depuis le début de live j'ai du mal à lire, bordel. Je sais pas par quel côté je suis passé par où. C'est normal. Ah, lui je sens qu'il va me gonfler pour trouver. Je sens que lui il va pas être facile. Alors, attends déjà. On va faire le tour comme ça. Là, il n'y a pas, mais là, déjà, il y a un coffre.
Ah, juste pour voir combien je gagne. Cool, des sous. Tac, tac, tac. Ah, je peux pas monter. Je peux pas monter par là. Pourquoi? Mais non, mais saloperie. Pff, j'en ai marre. Il ne veut pas m'écouter. Mais non, mais oh là là. Voilà, monte là. Allez, monte. Monte, papy. Ah, attends. Là, ça y est, je l'ai vu. Descends. Tu vas descendre? Voilà, c'est là. Ah, ça, là-dessus. Et faut regarder quelque chose. Ce bruit strident va vite m'énerver. D'accord, ce bruit. Je fais, ouais, je regarde même pas la souris, je fais par rapport au bruit. Brûler Jeanne d'Arc. Ah, c'est dégueulasse. Sans son bâton. Ah, ce petit m'avait apporté. Il ne pouvait plus contrôler ses sujets. Ah, révolution. D'accord. Ah, c'était ça. J'ai même pas fait attention. Ah, j'ai fait au pif. Bon, ça a marché. J'attends juste. Ah oui, Jeanne d'Arc de France. Oui, j'ai pas fait attention. Il est excuse. Bon, on a fait la 2, 4, 6, 8ème fragment de vérité. On avance petit à petit, on approche la moitié, alors presque fait 50% de ça. Ce qui est plutôt pas mal déjà. Là, j'ai trop déjà à 50%, c'est déjà pas mal. Ouais, j'attends que ça mette la prochaine ligne, bien sûr. Le vieux, je m'en fous. Ah oui, attends, faut que je regarde. Parce qu'après cette partie-là, on pourra s'arrêter. Voilà. Alors, je crois qu'après, on pourra s'arrêter là. Après le prochain point qu'on va découvrir. Il est où le cheval? Voilà, c'est pas grave. Après, on commencera directement par l'objectif, par la cible à abattre.
comprendrait quand même, mine de rien. Faut essayer d'avoir le plus de coffres possible. Faut essayer d'en trouver le plus possible. Moi déjà, parce que comme vous pouvez voir, par rapport au premier, là on est obligé d'acheter ses armures et tout ça, ce qui est normal, c'est un peu plus réaliste, on va dire ça comme ça. On est obligé d'acheter ses épées, on est obligé de se faire soigner. Donc du coup, les sous, ça compte beaucoup plus qu'autre chose. Donc très très important. Et puis il y aura aussi la gestion du patrimoine derrière qui va avoir lieu. Ce sera pas tout de suite, je pense. Autant que Enzo se mette bien en place dans le. C'est son oncle dans le monde des assassins. Et puis voilà. Allez, dernier point d'observation pour ce soir, je pense. Puisqu'après la prochaine partie, on va attaquer directement. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà. Donc je suis désolé si cette partie a été un peu longue. S'il n'y a pas eu grand chose. Sachez que. La plupart des parties des lives qu'on va faire sur Assassin's Creed, ça va être comme ça. Il va pas y avoir grand chose à se mettre sous la dent. Malheureusement, soit on va faire des points d'observation, soit on va chercher des codex, soit on va résoudre des énigmes. Ça fait partie du jeu. Voilà, j'essaye de finir au maximum le plus possible le jeu. Je ne ferai pas les plumes parce que ça va être vraiment très. Déjà tout le reste, je vous le dis. Déjà tout le reste, je pense avoir. J'ai envie de le faire parce que voilà, j'aime bien. Aller à fond dans un jeu auquel je sais que je peux aller. Cet Assassin's Creed 2, je sais que je peux aller à fond. Je sais que du coup, des énigmes grâce à internet, je peux les trouver facilement. Donc il n'y aura pas de soucis. Je pense que. Enfin, je pense pas que ça va être très long pour les résoudre. Je pense que ça va être plus compliqué si les trouver déjà. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Après, il y aura d'autres trucs qui vont se rajouter. Il va y avoir les coffres à trouver, tous les coffres. Toutes les pages de collecte, ça c'est obligé. En tous les cas, les courses, ça, toutes les missions annexes que je peux faire, je les ferai entièrement. Donc il y aura des épisodes où on va pas avancer. Donc, peut-être dans l'histoire, on va un peu traîner, comme un peu dans, je fais dans le Final Fantasy XIV. Mais sachez que c'est pour après mieux avancer pour ma part. C'est-à-dire que là, si je fais tous les points d'observation avant de faire la quête principale, c'est parce que déjà, d'un, j'ai la potentialité de le faire. J'ai le potentiel de le faire. Et de deux, ça m'évite de chercher dans la carte pour me dire je dois aller où et de pas savoir par où je peux passer. Par exemple, quand je vois pas un bâtiment, ben je suis désolé, ça m'énerve parce que je ne sais pas par où je peux passer. Bon, bref. Sur ce, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous retrouve tout de suite pour la prochaine partie en live. Ciao.